bienvenue à Doxfall. C'est sans doute ce que quelqu'un aurait pu te dire lorsque tu as débarqué dans la cité. Hélas, ici, personne ne t'a souhaité la bienvenue. Faut dire que jusqu'ici, tu fais profil bas. Toi, qui avais connu les plaines de Severos, qui a parcouru longtemps des grands espaces, malgré qu'il fallait toujours se protéger des morts, se protéger des esprits qui rôdent dans les terres mortes. Au moins, dans ce vol, il y a la barrière électroplasmique qui protège tous ses citoyens, toi y compris. Tu as changé de nom. Tu te dis que tu as préféré changer de vie, prendre un nouveau départ. Ça, c'est ce que tu te dis. Non, l'administration, eux, ils ont un autre terme pour désigner les gens comme toi. Déserteurs. Et les déserteurs, on les pend. Heureusement, qui irait chercher quelqu'un dans les bas-fonds de Toxvol? Tu es une ombre parmi d'autres ombres. Un misérable parmi tant de misérables. Par contre, tu n'es pas, sans doute pas du genre à vouloir que ça continue. Et il faut bien survivre. Tu as des talents. Et après quelques petits boulots, eh bien, tu n'es pas au point de te faire une renommée. Mais disons, tu t'es fait quelques contacts. Et tu espères que tu auras l'opportunité de tomber sur un job qui, cette fois, te rapportera. D'ailleurs, dis-nous, Salim, parce que on va t'appeler Salim maintenant, à quoi ressembles-tu? Qui on peut voir parcourant les rues. C'est grand, c'est maigre. J'ai l'allure des gens de chez moi. Un peu, je crois que je crois dans les plaines où on est un peu posé, non, il me semble. Et tu l'as dit, je suis un déserteur. Alors, du coup, je me suis laissé pousser les cheveux, la barbe. J'ai essayé de me rendre un peu méconnaissable. Je porte un chapeau qui sert à faire de l'ombre sur mon visage et enfin si c'est vraiment nécessaire puisque J'allais dire je trouve que de l'ombre à notre époque, parce que vu qu'il n'y a plus de soleil, ça fait tu caches l'ombre des lanternes quand il y en a. l'ombre des lampes. Et du coup, voilà. Tu attendais justement une offre, quelque chose de, une opportunité. Et puis, un contact d'un ami, qui est lui-même un ami, qui connaît un ami dans les docks et à Patte de Corbeau. Enfin, à Doxvol, tout le monde est l'ami d'un ami d'un ami. Ou surtout, une relation d'une autre relation. On sait très bien que ainsi, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Et dans le milieu, on traîne parfois, pas tout le temps, mais parfois, ça peut être une bonne chose. Et c'est un nommé JB avec qui tu as eu rendez-vous. Il t'a proposé une offre, un job bien payé. Une offre que, vu ta condition et ta situation actuelle, je peux guère refuser. Tu le rejoins au bord du parc de Shard Hall. Ce quartier administratif, quartier de bureaucrates, où il y a souvent des gens importants. Lui-même n'a pas l'air très important. Il est assis sur un banc,
face à ce parc que vous savez, que tu, même toi, tu as entendu parler, qu'il faut mieux éviter d'aller fréquenter ces arbres qui arrivent étrangement à pousser sans soleil, sont toxiques. On ne peut pas les toucher. Et que donc il faut mieux éviter les promenades et promenades à cette heure-ci, peu importe l'heure. Et bref, nous ne sommes pas ici pour parler botanique. Mais tu t'approches de cet homme qui te sourit. Ah, Salim. Je n'ai que votre prénom, mais ça ira très bien, je pense. Oui. JB, enchanté, tends la main. Il me sert la main. Ah bien. Asseyez-vous sur le banc. J'ai entendu parler de vous. Vous avez fait quelques affaires, je crois, dernièrement. On m'a dit que vous saviez suivre une piste. Vous aviez quelques talents. Bon. Disons que, en tout cas, on m'a vendu vos talents. Et j'ai besoin d'une personne comme vous. On peut le faire. Il regarde autour de lui, vite fait. Il n'y a pas grand monde à cette heure-ci. Vous êtes sur les premières heures de la nuit, si cela a vraiment un sens. C'est surtout que ça a un sens vis-à-vis des heures de travail. Et il y a peu de gens dans la rue, surtout dans ce quartier des affaires. Eh bien, j'aimerais récupérer un document, une carte, pour être exact. Je connais son propriétaire. Le problème, c'est que ce propriétaire est spécial. On le surnomme, il a comme surnom le collectionneur. Du moins, c'était son surnom quand il était dans le métier. Mais il a quitté le métier. Il a pris sa retraite. Mais s'il porte ce nom si particulier, c'est pas pour rien. C'est que il avait la réputation de garder précieusement quelques objets qu'il a durement gagnés pour sa collection personnelle. Et non pas, nous dirons, pour les affaires. Il y a un objet de cette collection que je veux récupérer. Le collectionneur travaille maintenant pour... Eh bien, il travaille pour l'administration. Il travaille dans... pour le... pour les... je ne dise pas de bêtises. Il travaille pour la fondation. La fondation, tu connais. C'est un groupe très important à Doxvol. C'est un groupe d'architectes et de bâtisseurs. C'est eux, en fait... qui gère la construction des bâtiments, les démolitions de bâtiments, etc. etc. Voilà. Ce sont les ouvriers du bâtiment. Après, à Doxvol, tout est un peu corrompu et sombre. Et effectivement. Apparemment, ils ont la réputation aussi que nombre de leurs... on va dire de leurs ennemis ont eu tendance à disparaître entre les murs de certains bâtiments. Mais bref, après tout, tu es à Doxvol, il n'y a rien de surprenant. Adi, il te rassure tout de suite. Il travaille avec eux, mais il n'est pas directement employé par eux, donc ça ne devrait pas poser plus que ça d'ennui. Si. Et puis, de toute manière, je ne vous demande pas de vous occuper du collectionneur. Du moins, ce n'est pas une nécessité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un document.
Il est très simple. C'est un rouleau de parchemin. Un vieux rouleau de parchemin. Et celui-ci est le plan d'une... ce qu'on pourrait appeler un sanctuaire. Un ancien sanctuaire. Le genre de choses que vous avez dû connaître dans d'où vous venez. Ce genre d'endroit oublié du passé où on pouvait s'abriter des esprits et autres. Par chez nous, ici, à Doxval, ça n'existe plus. On a les tours, la barrière électroplasmique qui nous protège. On n'a plus besoin de magie qui, de toute façon, bien avoué, plus personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Et les choses sont en train de disparaître petit à petit. Pour bien le reconnaître, il a un sceau en bas, attestant de l'authenticité. Que ce document authentique, un sceau de cire avec trois couronnes entremêlées. Vous me donnez ce document. Il n'y a pas de souci. En quoi vous êtes la personne du, on va dire, faite pour ce travail? Eh bien, le collectionneur cache effectivement cette petite collection. Et dernièrement, je sais que il s'y rend très peu souvent. Mais on a de sources sûres. Du moins, on s'est arrangé pour qu'il obtienne demain un nouvel objet qu'il s'empressera d'aller mettre en même temps que les autres dans le même endroit où il les garde. Vous le suivez. Faites en sorte de récupérer cette carte et de me la remettre ici même. Et puis vous serez payé. Qu'en pensez-vous? Maintenant que j'ai parlé, que j'ai tout... Ouais. La moitié du travail est fait. Oui, ça a l'air... Ça a l'air... clair et limpide. Tout à fait. Affaire conclue. Il te tend de nouveau sa main. Bien. Je le sais. Tu la serres. Le lendemain, tu suis... le nommé Willard Stone, alias le cambrioleur. C'est ta grande surprise. Tu n'es pas devant un grand criminel ou quoi que ce soit. Tu es un petit vieux qui cède d'une canne. Il n'avance pas très vite, mais tu as vite remarqué qu'il était nerveux. Il porte un paquet sous le bras. Et comme on te l'avait indiqué, il sort de son domicile, passe son temps à regarder de nombreuses fois derrière lui. Ton commanditaire te l'a dit, il est censé aller directement à sa cache. Et tu n'as finalement qu'à le suivre. Dans les rues, cette heure-ci où il y a un peu de monde, les gens finissent leur travail, il est simple pour toi de le suivre sans te faire repérer. Puis, au bout d'un moment, tu es en plein cœur de Chart Hall. Les choses changent. Peut-être quelque chose pas trop prévu. Tout à coup, il est rejoint par un autre homme. Et tous deux montent dans une petite barge, une sorte de gondole. Faut dire que Doxvol, c'est des canaux. C'est un espèce très Londres, très Prague, mais aussi très Venise. Il y a de nombreux canaux, parfois même qui passent sous les bâtisses. Peu de gens doivent connaître le labyrinthe dont est constitué toutes ces canalisations.
tous ces canaux. En tout cas, l'un, il monte dans un de ces canaux et la gondole et l'homme qui l'accompagne se saisit d'une perche. Toi, que fais-tu ? Il y a beaucoup de canaux. Oui, à Doxvall, oui. Doxvall, c'est une ville remplie de canaux. Et comme je te disais, il y en a qui passent même sous des bâtiments. Voire, il y a des quartiers, hein, comme le quartier de que tu vois de Soirivage, à l'ouest, est pratiquement fait que de canaux, en fait. Donc c'est pas possible de suivre de la mer. Tu sais pas. Tout dépend où ils sont. Je pense que je vais commencer par essayer de les suivre depuis la mer. Si ça se passe mal, il y a moyen de se faire transporter par quelqu'un, non ? Oui. Si ça se passe mal, il faudra que donc tu espères trouver quelqu'un. Là, tu vas me faire un jet de chance. Sur la gauche, tu as un jet de chance. Tu vas me faire un jet de chance. Tel quel ou... Oui, tel quel. Pas de chance, du coup. Tu espérais qu'il le suive. Tu le suis pendant quelques mètres. Et le canal qu'il emprunte s'enfonce entre des façades de maisons. Sans aucun quai ni ponton te permettant de le suivre. Tu te retrouves... très vite le quai sur lequel tu te trouves, eh ben il y a l'eau. Et quand je dis l'eau, attention, une eau noire opaque à l'aspect huileuse. Ah, que fais-tu ? J'ai deux options. Tu as autant d'options que tu veux. C'est à toi de me dire ce que tu fais. Il n'y a pas vraiment que tu te dises qu'il n'y a pas de mauvaise solution. C'est vraiment, ça fait un passage étroit. Genre c'est bizarre, je me ferais repérer si je trouve quelqu'un pour me transporter à leur suite. Là c'est un passage étroit, ouais. Après, trouver quelqu'un, comment penses-tu trouver quelqu'un ? Je sais pas, j'imaginais s'il y a beaucoup de monde, si c'est... un moyen de déplacement commun, il doit y avoir comme des bus sur l'eau. Oui, il y a tout à fait. Hein. C'est même carrément une bande, hein, qui est un groupe organisé qui fait ça. Maintenant. Tu veux prendre quelqu'un au hasard, comme ça. Non, mais... Enfin, c'est les gondoliers, justement, j'allais chercher, mais c'est les gondoliers. Ok, bah oui. Demander à un gondolier de me conduire, je pense. Je sais pas, peut-être... j'hésite. J'hésite un peu, genre, à donner une direction vers laquelle ils vont, qui pourrait correspondre à là où ils vont, mais qui soit pas trop loin, quoi. Mais tu sais pas parce vraiment où ils vont. Mais tu supposes qu'ils vont... Vu ta mission, ton objectif, tu supposes qu'ils vont pas à un endroit commun. C'est ça qui est plus gênant. T'as différentes solutions. Je vais t'aider un peu, je vais t'aiguiller, mais tu peux très bien dire que tu continues à les suivre. Mais peut-être en empruntant les toits. Jusqu'ici, suivi par les toits. Alors, peu importe, hein, la manière. Tu peux très bien te dire que tu cherches une barque vide, que tu te précipites dessus. Tu peux très bien dire que tu trouves un gondolier. Mais là, tu commences à impliquer quelqu'un pour ta poursuite. Ça peut te générer des ennuis. Tu peux utiliser un flashback. Dire que tu as prévu ça. Tu avais prévu que finalement il risquait de prendre des canaux et donc tu as engagé quelqu'un déjà
qui est là. Tu peux utiliser même de l'équipement et dire que tu avais prévu ça. Bref, tu as des possibilités comme ça en fait. Il n'y a pas de mauvaise solution en fait. Il faut juste que tu te lances. Ok. Ok, je pensais pas que je pouvais avoir autant de possibilités, genre typiquement monter sur les toits, je me suis dit putain. Bah si, tu peux tout faire. Du moment que c'est narrativement et logique, il n'y a pas de souci. Après, plus la chose va être compliquée, plus effectivement la demande du test ou les conséquences vont avoir des taux élevés. Et il ne faut pas que tu... Voilà, faut que tu te lances en RP. Après là, c'est surtout je t'ai avancé les flashbacks qui sont moins communs. Voilà. Ce qui peuvent te servir aussi, si besoin. Et j'hésite tellement parce que j'ai après, il y a... Voilà, tu peux... Tout ce qui est logique... Tu vois, bizarrement, tu me dis, c'est logique qu'il y a peut-être un service de promenade. De la même manière... Ça peut être très logique qu'il y a des barques vides à marée. Qu'est-ce qui t'empêche de voler une barque? Je me dis, si je prends une barque vide, je vais... Ah non, mais par contre, j'ai pas dit le contraire. Je te donne des possibilités. T'as l'air hésitante. Voilà. Moi, je te donne que des possibilités. Je t'ai pas dit que c'est la meilleure solution du monde. Je te donne des possibilités. Effectivement, voler une... Barque donne un risque qu'effectivement le propriétaire te voit et crie à la garde. Et en fait, j'ai une idée, mais j'ai peur que ça paraisse hyper tordu. Genre, j'aurais bien. En fait, j'aurais. Je me. Je sais pas, j'ai trop peur. Genre, je me disais bien, ouais, j'aurais bien choisi que mon animal ce soit un rat. Et un genre. Un gros rat. Alors, c'est un rat. Oui, pourquoi ouais. Pas. Ça me permettrait, genre, grave, de voler des trucs ou quoi. Et que ça doit être dans une ville où, en fait, il y a plein de vermine et tout, niveau discrétion. Alors, ton animal est censé être un... Un animal de combat De chasse, je crois. Alors, pourquoi pas un rat, je sais pas. C'est censé être... Ah, bah, ouais. Un espèce de furet. C'est pas oui, oui. Le furet, oui, oui. C'est une chasse. Équipement. Un animal de compagnie dressé à la chasse. Votre compagnon animal obéit à vos ordres et anticipe vos actions. Donc après, ça peut être un furet. Oui. Okay. Un rat sans poil. Voilà. Exactement. Un truc bien sale. T'as pas envie de toucher, quoi. Faire en sorte qu'il soit sur le bateau et le retrouver après pour qu'il me quitte, quoi. Voilà, c'est peut-être un peu étiré par les cheveux, quoi. Très bien. T'as... Non, mais pas de soucis. Donc, celui-ci dit, ça me dit pas ce que tu fais. Je jette mon meilleur lancer de... Non, je rigole, c'est pas... Bah oui, c'est ça, je pourrais essayer de rattraper de rattraper le bateau et faire en sorte que l'animal tombe dedans, quoi. Je sais pas. T'espères jeter ton animal dedans, c'est ça? Ouais. Genre me mettre au-dessus avant qu'il disparaisse ou... Et... Le bateau, je veux dire. D'accord. Donc, t'espères mettre ton animal dedans pour qu'après il revienne à toi et t'indique où c'est? Oui. Désolé. Tu vas pouvoir le faire. Ouais, ça ne pose pas de problème. Tu vas pouvoir le faire. L'effet risque d'être limité. Oui. C'est-à-dire que tu as de. Mais il n'y a pas de souci, je te dis direct que l'effet sera limité. Ça marche. Donc déjà, tu veux le lancer dedans. Donc dis-moi comment tu fais pour le lancer dedans.
Je T'espères profite qu'il de passe sous un pont, tu cours vers un pont. Ouais, c'est ça. J'essaie de me mettre un peu en hauteur, de rester discret avec la foule et lancer pas à côté, quoi. C'est vrai. Pas falloir lancer à côté, il va pas falloir. Ben, dis-moi comment tu fais, exactement. Pas lancer à côté Nager. et pas qu'il le remarque. Et bien éventuellement, une bousculade et je fais tomber quelqu'un dans l'eau. Je sais pas. Non, c'est horrible. Désolée, ça va être de pire en pire. Ouh là là. Tu veux jeter quelqu'un dans l'eau pour faire Non. l'immersion? Non, non. Ça me paraît être la pire idée. Non, mais genre, enfin, je voulais pas faire tomber vraiment quelqu'un, mais genre, la marchandise ou je sais pas. Mais peut-être je peux exploiter ma première idée et vite monter dans une gondole et en passant pas loin en gondole. Donc tu sautes dans une gondole vide, ou celle avec quelqu'un, ça va. Là il Ouais. s'éloigne, je te dis tout de suite. Une gondole Tout de suite. avec un gondolier et je dis vite, je suis pressée, j'ai un rendez-vous, prenez cette direction. En lui lançant éventuellement une paire de pièces. Ouais, pour cette partie on n'a pas trop de problèmes d'argent. Tu me balances une paire de pièces et dis oui, c'est bon. Y a pas d'urgence, hein. S'inquiétez pas. Par là, ouais, si vous voulez, commence à pousser sa perche. Il avance. Il a pas, il prend la bonne direction. Hein. Il a pas l'air vraiment de se presser. Hein. Tu vois. Pronto, pronto, Et il si je dit. suis en retard. Mais par là, on va. Vous n'allez pas aller vraiment vers un rendez-vous là. On va finir dans un canot souterrain. Eh bien, je ne suis pas là pour discuter. Donc j'invente un mensonge, c'est ça, pour Ben, je qu'il sais puisse aller pas plus ce que vite. tu fais. Lui, il va pas trop vite, hein. Il suit un peu, mais tu vois d'ailleurs que ton client s'éloigne un peu. Mais Je vous prends êtes. Et le. puis il arrête pas. Vous êtes sûr que vous voulez aller par là? Si vous vous dépêchez pas, je vais prendre les commandes de cette gondole. Me lancer un jet. Ton avis, c'est quoi que tu es en train de me faire? Crois que c'est. Attends, je regarde. Influencer? Ah, c'est plus commander. Commander? Parce que t'es Je direct. crois que je suis. Tu lui laisses pas le choix, quoi. Je suis un peu Hein? nul en commander, mais je crois que je suis Bah, un peu nul t'es en nul en influencer. côtoyer, en influencer, en la communication, c'est pas ton fort. On va dire tout court. Donc, tu peux me faire un jet de commander. L'effet à l'heure actuelle, ta position Limité. est risquée. Pour un effet normal, on va dire. Ok. Oh, allez, c'est terrible. Il va me jeter à l'eau. Bah, comme je t'expliquais, risqué, les choses, voilà, il y a une définition hein, pour moi, donc. Yeah, oh là, oh là! On se calme déjà, hein? Oh oh! Payer 3 francs, 3 sous pour je ne sais aller où, pour un rendez-vous, on ne sait quoi. On va être clair, ben. Hein? Moi, je vais pas vraiment plus loin. C'est interdiction que je m'engage dans n'importe quel canot, juste pour. Sous les belles paroles de monsieur, hein, et vu votre dégaine, on est loin de monsieur. Alors déjà, vous avez carrément baissé d'un ton. Oh là là, c'est terrible. Et alors que il a arrêté d'avancer, tu vois surtout que la gondole que tu suis, elle s'enfonce dans l'obscurité. Et elle commence à disparaître.
Est-ce que elle passe dans une petite voûte, en fait. Tu vois, et elle commence à disparaître dans un canal, mais qui est vraiment, effectivement, qui passe sous un bâtiment. Et tu la vois qui commence à disparaître, et tu crains de la perdre. Est-ce que je peux ignorer le type et juste changer de canal pour entendre le vide? Tu veux sauter dans une autre Ouais, vide. Parce qu'il n'avait pas l'air hyper pressé, donc... Bien, tu vas me faire un jet de chance, de nouveau. Une chose que je ne décide pas. Est-ce que, à tout hasard, il y a une gondole à côté de toi, vide? Oui. Tu vois une gondole, enfin tu vois un canot vide à côté dans lequel tu pourras sauter. Il va falloir faire vite. Bah, je me précipite et puis je prends la direction des gens que je poursuis en fait. Tu prends la direction que tu suis et que j'en suis. Oh, t'entends quelques insultes du gondolier que tu laisses en plan. C'est pas possible ça! Gens comme ça. Faut arrêter l'étincelle, vous êtes pas bien. Voilà, oh là, ça c'est. Et puis, tu t'entends vaguement qui crache par terre et qui dit ouais, ah, ça c'est encore des étrangers, ça. Ça va. Et toi, tu t'enfonces dans l'obscurité. T'aperçois un peu une lumière. Eux-mêmes doivent avoir une lumière. Et ça t'aide, tu supposes que ça doit être la lumière de l'autre gondole. Mais elle est très faible, et toi tu vois pas très bien où tu vas. Il y a l'obscurité. T'espères les suivre dans ces canaux sans les perdre. Dis-moi comment tu t'y prends. Là, clairement, t'imagines, c'est assez large. Deux gondoles peuvent se croiser. C'est-à-dire que ça doit faire 4 à 6 mètres de large, les canaux. Puis c'est des grandes arches, comme ça, au-dessus de toi, largement assez hautes pour que tu te tiennes debout hein, dans la gondole, dans la barge, il n'y a pas de souci. Mais assez vite, effectivement, c'est pas un lieu où il y a du passage. Et c'est un lieu où tu t'enfonces dans l'obscurité. J'aimerais essayer de profiter de l'obscurité. Dis-moi comment tu t'y prends pour tenter de les suivre. J'essaie d'être précautionneuse pour pas me faire repérer, parce que c'était ça l'objectif à la base. Et je reste loin pour pas choquer le bord avec la gondole. Je suis leur lumière en fait. Très bien. Le problème, c'est que par moment, elle disparaît. Au moment où ils doivent prendre sans doute un virage ou tourner un carrefour. Donc là, je vais te demander un jet pour les suivre dans l'obscurité. Je t'aide un peu, mais vu comment tu t'y prends, ça va être du traquer. C'est suivre quelqu'un, etc. Par contre, clairement, la position est désespérée. Suivre quelqu'un dans le noir, petite lumière dans le noir, dans des tunnels, c'est quand même très compliqué. Et l'effet sera normal. Et est-ce que tu peux essayer de me dépasser? Te dépasser, oui, peut me permettre d'avoir un dé supplémentaire contre 2 points de stress. Tu les suis. Heureusement, sans doute qu'ils ne vont pas très vite. Et tu arrives à suivre cette lumière faible. Et ils tournent à deux embranchements. Mais tu arrives à aller assez vite pour pas les perdre, surtout. À chaque embranchement, tu vas apercevoir la lumière. Puis tout à coup, la lumière s'arrête. Tu le vois que, alors que toi tu es dans le noir, tu aperçois qu'il s'amarre à un ponton. Là, l'homme
qui tenait l'énorme perche pour faire avancer la gondole, descend du ponton et aide l'homme à sortir de la gondole. Il semble s'échanger quelques mots et le vieillard s'enfonce dans ce qui semble une porte. Le canot, lui, continue. Mis à part cette petite lumière, cette lampe à huile que possède le gondolier, il n'y a pas de lumière. Ça fait un halo autour de lui. Tu vois que nerveusement, il joue avec un collier. Tu te doutes de ce que c'est. Ce genre de canot, ça a mauvaise réputation. Bon nombre de gangs, de bandits et surtout d'assassins ont tendance à faire disparaître les cadavres dans ce genre de canot un peu souterrain, un peu discret, un peu isolé. Et tout le monde sait ce que peut engendrer un cadavre. Depuis que la porte vers le royaume des morts, enfin les portes vers le royaume des morts, sont fermées. Toi-même, tu es dans l'ombre et tu vois cet homme et cette lumière. Et ta cible vient de s'enfoncer dans... Tu as entendu quand même vaguement le bruit d'une porte. Donc en fait, le mec au canot, il a juste déposé le vieux type là, le collectionneur. Et là, il est en train de repartir. Non, il ne repart pas. Il attend la porte. Ah oui. Ok, donc je sais que c'est ici. Il est sur le ponton. Il est sur le ponton où il vient de débarquer. Il semble attendre. Ouais. Donc c'est probablement la cachette du mec au final. Sans doute. Ben, je fais demi-tour, je pense. Je sais où c'est maintenant. Je vais attendre qu'il n'y ait personne, quoi, pour revenir. Tu vas attendre qu'il n'y ait personne pour revenir ? Très bien. Ben, je pense. Enfin, non. Ça, c'est là sa cachette, non ? Du coup, je peux. Enfin, maintenant que j'ai repéré les lieux, je peux. C'est peut-être plus prudent. Ok. Désolé. Ben, du coup, je. Ah non, non, moi, je te dis pas que c'est une mauvaise idée ou pas une mauvaise idée. Je dis rien. Je sais pas. Je vais pas te répondre à tes questions. Non, non. Si tu veux savoir si c'est certain que c'est sur sa cachette, tu vas voir. Sinon, si tu penses que c'est ça, tu peux te cacher, tu peux effectivement repartir. À toi de voir. Que fais-tu pour l'instant? Ok. Je pense que je vais repartir. Tu repars. Tu comptes revenir combien quand? Bon, quand ils seront partis, quoi. C'est-à-dire, comment tu sais qu'ils sont partis? Tu comptes revenir quand? Je sais pas, je peux aller attendre à la sortie. Et je peux peut-être laisser mon poilu sur place. Il n'y a pas des espèces de... Comme dans les égouts. Non. C'est que. Il n'y a que de la flotte. Comment t'aurais pu continuer à pied? Je t'ai dit, il n'y a pas. Non. Il n'y a que. Ah ouais, bon. Ok. Ok. Tu peux effectivement attendre à la sortie qu'il s'en aille et revenir. Ouais, mais il doit y avoir d'autres entrées aussi, j'imagine. Ah, sans doute. Je suppose que ça doit être un labyrinthe, ce truc-là. Je peux peut-être aller. Attendre avec ma gondole dans un espèce de... Enfin, genre pas loin, quoi. Il doit y avoir plein de... Un endroit où ils sont pas censés repasser. Et juste attendre qu'ils repartent pour aller voir après. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller me mettre dans un couloir transversal, un peu éloigné. Et puis je vais attendre qu'ils partent. Je pense que je vais les entendre, en fait.
Genre, je vais entendre la gondole avec l'eau. Donc, tu te dissimules et tu attends. Tu attends un moment. Le temps est long. C'est pas ce qu'il fait, mais c'est long. Puis finalement, effectivement, tu revois la lueur, la lanterne, qui repasse. Et tu entends de nouveau, tu vois la gondole s'éloigner. Tu es dans le noir total. Que fais-tu ? Ils sont éloignés ? Oui. J'allume un truc. Tu vas voir quelque chose sur moi, non ? Je regardais. Une lampe, t'en as forcément une. Tout le monde en a une petite, de toute façon. T'en as forcément une. Que tu as. Lanterne, il y a un dans tes équipements. Oui, j'ai vu. Donc si tu veux, tu coches. T'as droit à trois équipements. T'es en léger. Alors pour la mission, c'est obligatoire. Donc, tu as une lanterne. Tu sors une lanterne. Tu reviens où ils étaient. Tu vois effectivement ce petit ponton en bois où ils s'étaient amarrés. Tu vois cette arche où il avait le petit vieux avait disparu. Et tu vois maintenant cette porte massive que tu avais entendue. Elle te fait très penser à une espèce de porte de cachot. Tellement que le bois a l'air épais. Il y a une serrure. C'est. Et. Que fais-tu ? Je j'essaie de l'ouvrir. Je veux dire, comme ça. Ah, c'est fermé à clé ! C'est jamais, hein, des fois, un petit vieux. Oui. Des fois. Des fois un que. Malentendu. Oui, bah bien sûr. Sur un grave malentendu. Que fais-tu ? Tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux regarder dans tes équipements. Il y a plein de solutions. Il y en a plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'une. Ouais. Bah, je crois que je peux dire un truc. En fait, moi, j'ai pas genre le truc pour ouvrir les portes, genre discrètement. Si, t'as outil de cambriolage. Ah oui. Énorme, j'avais pas. T'as outil de cambriolage. T'as aussi outil de démolition. Tu veux faire péter la porte. Mais ça prend deux, alors. Voilà. Oui, ça m'aurait tenté. Mais je vais essayer d'ouvrir la porte. Brancher ou quelque chose. Je suis pas très très habile. Oh, détrompe-toi. Donc tu veux ouvrir quelque chose avec des crochets. C'est. Bah dis-moi ce, si je dis pas de bêtises. Donc c'est avec quoi que tu fais ça ? En principe, enfin, dans ma tête, ça aurait été logique que ce soit manœuvré, par exemple. Ouais, c'est ça. Manœuvrer. Ça pourrait être manœuvré. Ça dépend comment tu t'y prends. Ça peut être manœuvré, ça peut être bricolé. Bricolé, on serait plus sur le fait d'essayer de la démonter, en fait. Si tu essayes vraiment de l'ouvrir, comme on peut l'imaginer avec un passe-partout, ça va être effectivement, ça va être manœuvré. Pardon, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Pour ça, je vais le prendre. Manœuvré. Vas-y. Après, libre à toi de voir. Ah! Je peux te faire un pacte avec le diable. Tu veux un pacte avec le diable ? Il permet de bruit, c'est ça ? Non. Je saurais que si j'accepte ? Non, je te le dis. Pacte avec le diable, quoi qu'il advienne, que tu l'ouvres ou que tu ne l'ouvres pas, tes outils se briseront dans la serrure. Ça me donne un bonus. Voilà. Et tu Allez, perdras, j'accepte. Tu perdras tes outils et ils seront coincés dans la serrure. C'est-à-dire que tu laisses une marque. Mais il vient pas souvent. Allez, j'accepte. Très bien. Vas-y. Mais quoi en position ? Donc, pour
Quand tu fais le jet, tu mets 1. T'as bonus normalement. Tu mets des bonus, tu mets 1. Si tu veux te dépasser en rajoutant 2 stress, tu coches se dépasser. Tu auras un dé encore en plus. À toi de voir. Je le sens en position risquée et effet. Ah oui. Pardon. Tu vas être en effet normal. Clic, clic, clic. Tchac. Ton outil se casse à l'intérieur. Mais au même instant, tu vois la porte qui fait clac et qui s'ouvre très légèrement vers l'intérieur. Tu as juste à la pousser. Pénétrer à l'intérieur. Il n'y a pas de piège. Tu restes attentive s'il n'y a pas de piège, c'est ça? Ouais. Comment tu t'y prends exactement? Je reste collé à la porte. Je t'entends très mal. Ta connexion est en PLS. Désolé, est-ce que c'est mieux là? Ouais, un peu, vas-y. Donc tu restais contre les murs, j'ai compris. Tu restais contre les murs. Contre la porte. Et j'essayais d'écouter s'il y avait un bruit de quelque chose qui se déclenche. Tu vas me faire un surveiller. Oh là là! Si, je t'avais pas dit. Hein. Mais c'était risqué, normal. Je t'avais pas dit. Il faut que je te le dise à chaque fois. Vu que tu surveilles, tu regardes et tu écoutes. Effectivement, tu entends du bruit. Un bruit très léger, métallique. Tu as du mal à définir. Puis, tu te dis, ça ressemble à une chaîne qui bouge doucement. Doit se traîner sur le sol. Ouais, genre une créature. Possible. Je t'ai pas donné l'effet, mais l'effet était limité. Hein. Tu es resté à l'entrée, donc comme ça tu pourrais pas dire, mais c'est fort possible. Oui. En tout cas, t'entends un bruit de chaîne qui se frotte par terre. C'est pas un piège, c'est certain, mais ça vient du fond du couloir. Là, t'as un couloir en fait en pierre. Tu penses que la porte a été rajoutée là, et que là, tu es dans un espèce de conduit de service. Et est-ce que j'ai pas un petit miroir dans ma petite cambriolage pour essayer de voir derrière la porte, essayer de voir dans la pièce sans trop ouvrir plus, sans... Alors là, derrière la porte, il y a un couloir. Ah ouais. Donc... Le son est venu du fond du couloir. Ça vient du fond. Je peux pas faire rouler un truc vers le fond ou je sais pas, un objet. Ton furet. Bah tu peux envoyer ton furet ou tu peux effectivement tu peux rouler, faire rouler. Tu peux lancer. Oui, tu trouves une pierre si tu veux. Lancer une pierre, faire rouler. Ça descend pas spécialement, mais. Tu peux lancer une pierre dans le couloir. Ça me fait peur. Ok, non, mais je vais envoyer mon furet, mais genre pas à la mort, quoi. Bon, je veux juste savoir si c'est un animal ou si c'est... T'envoies ton furet. Ouais. Mon furet de combat. Furet avance dans le couloir. Tu lances un dé. Tu fais chance en fait. Ça m'étonne pas. Enfin. T'entends un bruit de chaîne et ton furet revient rapidement et il remonte le long de ta jambe. Tu comprends que effectivement il y a un animal sans doute. Il y a un prédateur, il y a quelque chose de dangereux. Et le tuer. Que fais-tu? Essayer de tuer cet animal. Je pense que c'est un animal. Bah là,
Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu avances? Tu fais quoi? Ouais, j'ouvre un peu plus la porte. Tu ouvres en grand la porte, ça mène à un long couloir devant toi. Ok. C'est clair? Un long couloir devant toi. Ok, mais je vois pas l'animal, genre? Non. Non, ton furet, il est parti loin, en fait. Ah oui, ok, bah j'avance, alors j'avance un peu, mais genre, j'essaie de rester prudente. C'est au bout, tu penses, d'une dizaine de mètres, qu'effectivement, à la lueur de ta lanterne, tu vois que ça semble déboucher dans une pièce. Il y a une pièce plus grande. Okay. Effectivement, t'entends, c'est rare, mais t'entends de temps en temps ce bruit de chaîne qui vient de la pièce. Ok, mais je vois rien, je vois pas la menace. Genre. Non, pour l'instant, tu ne la vois pas. Ton instinct te dit que là, tu es face à un prédateur. Toi, tu es habitué, tu es un limier, un chasseur. Un prédateur, ça se tient en embuscade. La créature, si elle te sent, tu penses que... C'est à toi de la débusquer ou de la provoquer pour que... qu'elle sorte. Ou alors, tu penses que quand... Voilà, tu rentres dans la pièce... tu vas l'avoir. Mais ce sera trop tard, quoi. En même temps, toi, okay. Tu sais qu'elle est là. Puisque tu entends ces petits bruits de chaîne de temps. Déjà, je me marme. Je ne sais pas. Là. Tu prends quoi comme arme? Alors, du coup, ça va me prendre mon dernier emplacement, c'est ça, hein? Ouais. Tu peux prendre, par exemple, tu peux prendre paire de... Alors... Est-ce que c'est... Ouais, c'est que un, tu peux prendre paire de pistolets de qualité. Mais attends, parce que j'ai quand même... Là, j'ai mon espèce de furet, ça me prend pas un, déjà. J'ai pas les trois, déjà. Ouais. Bon, on va dire que le furet, pour cette partie spécifique, il était gratuit. C'est sûr, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de... Normalement, ton furet... Non, ton furet, c'est pas un. Je t'ai dit, c'est gratuit. Ah ton oui. Furet, sur ton livret, c'est gratuit. Il t'accompagne... c'est pas un équipant. Tout le temps, ça sera gratuit. C'est une cohorte, en fait. Normalement, il faut que tu le... Tu vas pouvoir le rentrer dans... comme cohorte. Il faudra que tu notes... peut-être dans notes ou en fait il faudra peut-être que je le crée c'est un allié en fait donc tu non il compte pas comme comme un objet. Ok donc tu peux prendre un objet mais qui coûte que 1. Par exemple tu pourrais pas prendre le long fusil de qualité, il coûte 2. Tu peux prendre en gros une lame, un couteau de lancer, des couteaux de lancer, c'est un X, et paire de pistolets de qualité. Ouais, toi t'es limier, hein. Et t'as un bonus en plus. Je te rappelle que t'as ton atout que t'as choisi, c'est tireur d'élite. D'accord, je prends des pistolets et d'attirer l'animal, quoi, de le faire bouger pour le voir, pour voir ce que c'est. Du coup, ce que je veux, c'est que je me marre, mais... Et dis-moi vraiment ce que tu fais. Comment tu t'y prends J'enverrai bien le furet, en fait. T'envoies le furet pour débusquer ton... Ouais. Bah, décris-moi. Je marme. Prêt à tirer s'il y a un truc qui apparaît dans mon champ de vision. J'essaie de ne pas me mettre à portée, parce que j'imagine que c'est attaché à une chaîne. Et j'envoie mon furet pour qu'il fasse... qu'il aille se planquer sous un meuble ou je sais pas quoi. Très bien.
ton furet rentre dans la pièce de manière très rapide. À ce moment-là, tu vois une ombre bondir. Tu entends la chaîne au début gratter sur le sol et puis se tendre. Et c'est là où je suppose que tu attends pour décharger tes tirs. Tu vas donc pouvoir me faire un test de traqué. Ouais, le tir c'est traqué. Voilà, je te le dis, puisque après. Et qui va être en contrôlé, puisque tu l'avais repéré. Tu t'attends. Et l'effet va être important en plus parce que tu as des pistolets de qualité. Mais t'es cheaté. Alors, j'ai une nouvelle. Que tu ne sais pas, nouveau point de règle. Quand on a plusieurs dés et qu'on fait un double 6, c'est un succès critique. J'allais te sortir la règle des horloges, je n'ai même pas besoin. La règle des horloges, je vais te l'expliquer quand même. C'est que selon les situations, je peux sortir des horloges. Et un test ou deux tests ne suffisent pas, si tu veux, pour remplir tout. D'accord ? Par exemple, un succès partiel, j'ai une horloge de 6 segments. Un succès partiel va t'en offrir 2. Un succès complet va t'en offrir 3. Et le but, donc en une seule fois, tu vas pas pouvoir. Sauf que là, succès critique, la bête, bah, en fait, c'est un énorme molosse qui bondit, qui se prépare à sauter sur ton furet. Et dis-moi ce qui se passe puisque tu abats la créature, ce chien monstrueux. Il se prend une ou deux balles bien placées et en fait il atterrit mort quoi. Je le fausse. Le chien, ce molosse baveux tombe au sol sur le côté et quand toi tu rentres dans la pièce, tu vois que c'est une petite pièce ronde à ce molosse attaché. Il y a une gamelle qui semble pleine. D'ailleurs. Et tu vois un escalier sur cette salle ronde, un escalier qui part le long de la cloison, qui est un escalier qui est en courbé aussi, presque comme si ça allait être un escalier en collimation, sauf qu'il s'arrête sur une corniche. Qui forme presque comme une mezzanine autour de cette pièce. Et le long de cette corniche, il y a dans le mur, on a fait des petits trous comme pour présenter des objets. Et tu vois l'objet qu'on t'a demandé de récupérer. Ok. J'ai une question. Oui. Les fantômes et les trucs comme ça. Oui. C'est que pour... il faut pas brûler le... C'est bon, il n'y a pas de problème avec le chien. Je sais pas trop. Ah ouais. Normalement, non. Est-ce que tu es spécialiste? Non. À ton avis, est-ce qu'il risque d'avoir des problèmes avec le chien? C'est une bonne question. Je te la pose d'ailleurs. Est-ce qu'à ton avis, t'en as vu des animaux morts? Des chevaux morts, des chiens, peut-être des furets. C'est peut-être pas ton premier furet. Ça pose pas de problème. Sinon, ce serait l'enfer. Genre, tous les animaux qui doivent crever dans les rats et. Les oiseaux, les trucs c'est qu'on déjà mange. L'enfer. Hein. Tous les hommes qui meurent, ça fait déjà du monde. Hein. Donc que fais-tu? Donc, d'accord. Le chien ne pose pas de problème.
Et Note. j'espère. Les autres joueurs te remercieront de cette réponse. Bah, du coup, je vais essayer d'aller récupérer le colis, le parchemin. Je m'assure que il n'y a pas de piège. C'est quoi ce genre un cabinet de curiosité Ouais, c'est ça, c'est que tu remarques des petites niches en fait. Et dans la première, justement, tu remarques il est mis sous un espèce de globe en verre, sans doute pour protéger l'humidité aussi. Et tu remarques nettement ce sceau dont tu as parlé. Mais après, ça reste un rouleau de parchemin, quoi. Rien à voir de particulier. Et puis je vais pour partir. Tu le prends? Ouais. Tu soulèves le globe et tu le prends. Bon, au moment où tu soulèves le globe, t'as comme un frisson qui te parcourt l'échine. Et c'est à ce moment-là que tu le soulèves et tu vois, clac! Il y a un petit truc qui s'est brisé alors quand tu as soulevé le globe. Je te rappelle que tu peux résister à toute conséquence. Je résiste. Est-ce que tu vas avoir le réflexe? Donc là, ça va être. Je te le rappelle, hein, que tu peux résister. Plus tard, je le ferai plus. Merci. Cette petite partie sert à ça. Tu peux résister à toutes les conséquences et donc établir les positions, conséquences, blessures, résistance. Tu as perspicacité. Oh, t'as de la chance en plus. Tu me lances perspicacité et 6, donc tu ne perds zéro stress. C'est cool. Puisque tu es FS6. On garde le meilleur dé. 6 moins 6, 0. En fait, juste avant de soulever, tu remarques. Ça ne va pas résoudre ton problème dans l'immédiat, mais tu remarques. Effectivement, le globe, il est posé sur une espèce de petit support. Il est un peu poussiéreux sur l'extérieur. Et t'allais soulever le globe et tu t'arrêtes. Il est couvert de poussière, mais en dessous, tu remarques des reliefs. Rapidement, tu passes tes doigts un peu dessus pour enlever la poussière. Et tu vois qu'il y a d'étranges runes dessus. Et je sais pas trop ce que c'est. Ce genre de runes, t'en as déjà éventuellement vu, même si tu les comprends peut-être pas spécialement. T'as dû en voir sur des trucs comme des charmes repousse esprit. En tout cas, ça ressemble un peu à ça, quoi. Je peux pas emmener tout le globe plutôt que juste une protection et sur le globe. Non, c'est sur le support. Ah, et je peux pas l'emmener le support. Ah, tu penses que ça doit se démonter, ouais. En fait, en regardant mieux, tu remarques même que sur le côté, en fait, pour faire simple, il y a une petite serrure. Avec une petite clé, tu pourras l'ouvrir. Ou des outils de bruit. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Yes, bien sûr. Ah. Pas de solution magique, tu me dis ce que tu fais. Vas-y. Cherche pas dans tes équipements, hein. Là t'es blindé, t'as tout sorti. Je suis en train de chercher dans mes actions. Après. Peux pas tirer sur la serrure. Si. Si, si. Tu peux essayer de Ça risque tirer. de... Ouais, sur le système de
C'est quoi? C'est en fait, je crois que je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est genre, il y a une clé, une T'as un clé. support qui ressemble un peu comme une assiette à l'envers, qui semble de fixer à où il est posé. Rigueur, tu penses que ça se démonte, hein? Effectivement, tu m'as demandé si ça se démonte. Tu penses qu'il y a possibilité peut-être de le démonter. Sur le côté, t'as une petite serrure. La serrure, elle s'enfonce pas réellement. Tu vois pas de loquet du globe, en fait. Rien ne t'empêche de soulever le globe. Mais tu penses que c'est lié à ces runes, en fait. Et après, il y a le globe en verre. Le globe en verre qui est posé dessus. Ouais. Bon, ce que tu comprends, c'est qu'il doit avoir, pour désactiver un peu, il suffit d'une clé. Mais il n'y a rien qui retient le globe en soi, quoi, en fait, si tu veux. Un globe qui s'en Ouais. fait de verre. Oh. La clé, elle est sur Elle est sur le support. c'est le socle. Oui. Oui, c'est le socle qui est fixé et le globe, il est juste posé, quoi. Tu penses Ok. que la clé ne. C'est pas une clé qui verrouille. C'est une clé qui doit activer ou désactiver plus l'espèce de système d'alarme qui est lié au socle, tout simplement. Il remplace le parchemin par un truc random. Pour ça, il faut soulever le globe. C'est vrai. Et je passe à travers le globe. Désolée. Je cherche des. Tu peux, autrement, tu peux provoquer, si tu veux des réponses, tu pourrais très bien me dire que tu regardes comment bien c'est fait, etc. Et tu me fais un test d'étude et tu essayes de me provoquer un test d'étudier pour voir si je te donne plus d'infos, en fait. Tu vois, ça peut. Je dis ça parce qu'en plus, tu as étudié, toi, en action. Ok, je savais pas que ça pouvait m'apporter plus d'infos, je pensais que ce serait. Ben, étudier, c'est étudier dans les livres, etc. C'est aussi, tu vois, surveiller, c'est vraiment regarder quelque chose de complet. Étudier, ça va être vraiment de l'investigation, etc. Donc, tu peux chercher, voir si tu as déjà peut-être vu ça, des choses ressemblantes. Voilà. Ok, on sait. Oula. Donc, je veux bien faire un étudiant. Alors, je pensais qu'il faudrait faire genre un truc comme communier. Un communier, tu peux aller vers communier, mais communier, c'est vraiment ça. Tu peux aussi, mais c'est vraiment passer le trois derrière le voile. Tu pourrais essayer de voir si tu veux étudier, va peut-être plus te donner des informations sur comment le système fonctionne. Le communier va peut-être plus te donner si tu fais communier, je te donnerai peut-être plus d'infos s'il y a des éléments ésotériques, la présence d'un esprit, des choses comme ça, vraiment liées voilà, au côté, on va dire, tout ce qui est esprit, fantôme, ce genre de choses. Là, ça va être communier. Tu peux En faire un fait, communier, hein. Là, ça marcherait aussi, mais tu n'auras pas les mêmes réponses. Mais c'est un communier tout à fait possible aussi. Communier, ça va être plus essayer de fermer les yeux, essayer de voir derrière ce. Même toi, hein, t'y arrives, hein. On dit que les gens, quelquefois, tu sais, ils aperçoivent des ch choses du coin de l'œil. Choses que qui semblent ne pas être là quand tu tournes la tête. C'est ça le troisième voile, en fait. est-ce que, parce que en fait c'est des runes, mais est-ce que c'est l'écriture normale ou c'est juste. Ah non, non, tu sais pas lire ça. Ok. Enfin, Je vais faire sauf un si tu me fais étudié. un étudier. Ah non, mais non. Là, c'est pas de l'écriture normale, hein. Ah non, non, vous utilisez l'alphabet. Le même alphabet que nous. À Toxfol. Ok. Qu'est-ce que je dois mettre
pour faire étudier. Je trouve pas le temps de regarder et tout. Hein ? Qu'est-ce que tu dois mettre ? Ah, position risquée et effet normal. Si. Ben voilà. Je pensais que ce serait un mauvais jeu. Bah dis donc, tu fais que des 6. Mauvais jet. T'étudies le truc. Tu dis que simplement, effectivement, ça c'est soit une alarme, soit un piège ésotérique. C'est un système dont tu sais pas ce que ça fait, vraiment. Mais tu comprends comment ça fonctionne. En fait, toi tu penses que, pas vraiment le poids, mais c'est le... la présence de la base de la cloche, si elle est soulevée, qui doit déclencher le piège. Ça veut dire que si je la casse par le haut, le pied du socle, il reste ? Effectivement, si, il faudrait juste faire en sorte de bien la casser, de pas... ça finisse pas en miettes, mais si tu arrives à la casser comme un œuf à la coque, tu devrais pouvoir récupérer le parchemin. Allez, j'essaye. Tu le casses avec quoi ? Une petite cambriolage, non ? Il me reste des trucs ? Ou c'est que un crochet ? Je t'ai dit que les outils de cambriolage, t'en avais plus. Okay. C'était le pacte avec le diable. Désolé, je pensais qu'il y avait plusieurs objets dans... Oui, il y en a plusieurs, mais là, pour le coup, ça c'est un peu parti du deal du... pacte avec le diable. Tu peux trouver un caillou, tu peux trouver la crosse de ton pistolet, tu peux frapper la cloche avec le globe avec ton furet. Ok, je vois. Je sais pas, moi, je te donne des possibilités. J'ai pas dit laquelle était le plus intelligent. Ouais. Je suis bien tenté de se taper avec la crosse de mon fusil, mais je pense que ça va pas faire un bel œuf à la coque, quoi. Tu tentes le coup ? Je tente. Ça va être avoir un effet normal et position désespérée. C'est quoi À ton avis, c'est quoi là? Bah, soit tu y vas à grand coup, et là c'est du démolir. Je suis pas sûr que c'est ça. Si tu veux aller en finesse, ça va être du manœuvrer. Hein. Ok. À moins que tu me trouves une solution autre. Hein. Ça peut être du bricoler. Peut être. Si tu veux juste tapoter pour essayer, ça va être du manœuvre. Ça va être manœuvrer. Mais non, c'est. Ah, c'est bon. Je croyais que... Tu tapes. Ok, c'est un échec. Et là... Donc c'était... C'était désespéré. Hein. Oui, je pense. C'est ce que j'ai mis. T'as eu un petit drapeau qui s'est affiché en prouesse. Ouais. Ouais, d'accord. Tu tapes. Et là... Tu vois une petite fêlure. Tu te dis, ah, j'y suis presque. Tu retapes un peu. Là, la petite fêlure. Et là, d'un coup, ça vient d'un coup. Tout le globe s'étoile et tombe dans une pluie de petits morceaux de verre, s'écrase par terre. Et là, tout de suite, tu vois ta respiration. Justement, tu la vois. Il y a de la condensation, du froid. Un changement de température aussi rapide, tu sais ce que c'est. Et c'est pas bon. Ça, il y a un esprit dans l'air. T'as un frisson qui te parcourt l'échine. C'est naturel. La peur. Un fantôme. Un esprit. C'est jamais une bonne chose. Et lié à un système d'alarme, c'est sans doute sûrement pas un esprit qui te veut du bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends le parchemin, je fuis. Tu prends le parchemin, tu commences à courir. Là, juste à côté de toi, tu aperçois une silhouette pâle, floue. On n'arrive pas à distinguer ce que c'est.
mais avec un visage déformé, deux yeux vides, énormes, une bouche ouverte comme hurlant désespérément, de la même manière, hurlant dans le vide. Elle semble crier, tu n'entends aucun bruit et pourtant tu as mal aux oreilles. T'as ton cœur qui bat à tout rompre. Et tu vas me mettre une blessure. Alors dans les blessures, quand tu vas dans état, blessure 1, tu vois, tu as deux cases. Tu as marqué que dans une seule case, tu m'as marqué effrayé. Pour l'instant, ça n'a pas d'implication. Tant que tu n'as pas la deuxième. En fait. Et tu m'as dit que tu te mettais à courir. Ben, tu te mets à courir alors que la créature, est fantôme, essaye de te saisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour. On peut essayer de l'éviter alors que tu cours. C'est un. Je plonge pour l'éviter, ouais. Tu vas me faire un. Plonger comme ça, ça va être manœuvré. À moins que tu me trouves autre chose. Peut-être combattre. Peut-être... Dis-moi. Non, tentative d'esquive, ça me. Ouais. Donc ça va être. T'essayes de courir, de plonger ou de zigzaguer, en gros, pour essayer de l'éviter, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Ça va être manœuvré. Position désespérée. Position désespérée. Effet normal. Je rappelle que tu peux utiliser du stress. Ouais, je pense que je vais le faire. Je peux te proposer un pacte avec le diable. C'est quoi ? Le pacte avec le diable, moi, je pense que... En cadre... Je sais pas. T'as une idée à me proposer. Qu'est-ce que je pourrais te proposer? J'arrive pas à trouver d'idée. Tu seras blessé d'un cran de plus. Donc c'est-à-dire quand même en cas de réussite, tu auras une blessure mineure. Mais en cas d'échec, par contre, tu seras beaucoup plus gravement blessé que ce que tu devais l'être. Ok. Donc je vais prendre le risque. Tu utilises du stress aussi ? Ou pas ? Parce que tu peux utiliser par exemple 2 points de stress. Ça peut te permettre d'avoir un effet... Tenter d'avoir un j'ai effet... Pris deux. Ça peut permettre contre 2 points de passer un effet important. Tu peux mettre utiliser... 2 points en plus pour avoir du stress, pour avoir un dé en plus. Et là, on sait 3 dés. Non, ça va aller, je pense. Très bien. J'y crois. Ok. Réussite partielle. Blessure d'un cran de plus. Tu te précipites vers la sortie. T'arrives à passer la porte et juste avant tu sens un froid glacial sur ton dos, un froid terrorisant, ça te brûle l'épaule alors que tu arrives à franchir la porte, tu claques la porte derrière toi, t'entends ce bruit, un bruit étrange, silencieux, mais pourtant, comme je te disais, qui te fait mal aux oreilles, qui semble s'atténuer alors que la porte est fermée. Mais tu as toujours cette douleur. Et quand tu mets la main à ton épaule, tu ne peux que l'enlever. Tes vêtements sont intacts. Pourtant, tu vois le tissu, tes vêtements qui suintent et tu les sens collés avec la brûlure de froid, et tu mets brûlure, mais en brûlure à l'épaule, tu peux le mettre. Alors, c'est effrayé, c'est en dessous, c'est en 1.
Et la brûlure à l'épaule, c'est en deux. Autant qu'effrayé, ça passera assez vite avec le temps. Autant que brûlure à l'épaule. Faudra que tu la soignes, ma chère. Elle passe pas comme ça. Tu c'est un peu essoufflé. Tu regagnes ta gondole. Et tu reprends le chemin du retour. Dans ta tête, tu te dis peut-être que... Ça aurait été peut-être plus facile avec des êtres de chair et de sang. Mais bon, au moins, le cambrioleur est en vie. Et le gondolier aussi. Ça aurait peut-être pas été le cas si tu avais choisi une autre approche. Tu sors et quelques heures après, tu retrouves JB. Celui qui se fait présent, prénommé JB. Si tu lui donnes le parchemin, tu vois qu'il déroule tout ce que tu vois, toi. C'est que ça semble être le plan d'un bâtiment. Le document semble ancien. Et tu vois vaguement ce qui semble être le haut d'une tour avec une horloge. L'homme semble vérifier que c'est le bon document et le range discrètement dans son manteau avant de te donner une bourse de monnaie sonnante et trébuchante. Bien, félicitations. Je vous remercie. Ah, pas eu de soucis. Il y a un très bon système d'alarme. Bon, je suis sûr que c'est rien qui ne doit vous poser problème. En même temps, pour ça que je vous ai payé. Il se lève et il te tend la main. Il te dit eh bien, quand il te tend la main, pardon, parce que je cherche. Si je vais pas dire de bêtises, c'est bon. Non, je dis pas de bêtises. Les lampistes vous remercient, mais te serrent la main. Oui. Il s'éloigne. Les lampistes, tu sais que c'est une bande, un gang de pattes de corbeau. Mais après coup, tu te dis, ça colle pas. Pourquoi mon commanditaire dirait spécifiquement quel gang il appartient, alors qu'il pourrait très bien le garder secret? C'était potentiellement beaucoup plus logique. Non, il voulait que tu saches. Est-ce qu'il t'a menti? Ouf. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Toi, tu fais ton boulot. Résister. Tu veux résister? Oui, je veux savoir. Tu vas résister. Je te l'accorde. Détermination. Il parle vraiment ou... Ouais. Tu subis 5 de stress. Et tu es sûr. Il t'a menti. Il ne fait pas partie des lampistes. Mais alors pourquoi il te l'a dit ça?